soir, petits amis? Vite, patron, j'apporte à Oscar ce qu'il m'a demandé. Je descends mon échelle et hop, pom pom pom, vous pouvez envoyer le panier avec la corde. Oui, tout de suite, nounours. Pom 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 pom. Voilà. Alors, tonton, t'as tout apporté, dis. Mais oui, tout, voilà. Merci, patron, vous pouvez remonter la corde. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, allons-y. Je n'y comprends rien. Moi non plus. Vas-y, tonton, mêle et marron, moi je tourne. Ok, grand chef. Mais qu'est-ce que vous fabriquez, les deux ours? Je vous prépare ma spécialité, la soupe montagnarde pour ours. Vous allez voir, c'est un régal. Ajoute quelques herbes, tonton. Voilà. De la soupe avec des herbes? Ah, du thym, du laurier, un stop, ça suffit. Monsieur est servi. À présent, la surprise du chef, des œufs de fourmis. Beaucoup d'œufs de fourmis. Ça a l'air bon. Des œufs de fourmis? Ah ben. Et du poivre, beaucoup de poivre. Achoum. Non merci, mais on a déjà mangé, tu sais, on n'a plus très faim. Alors on va se coucher, on a sommeil. Au revoir, nounours. Au revoir, nounours. Ils sont bien pressés. Pour une fois que... Voilà, patron, j'arrive. Voilà, voilà. Oh, même pas le temps de goûter. Je me sauve. Va vite au dodo, petit ours. Je t'en garde pour demain, tonton. Oh oui, merci. Et pour vous aussi? Vous êtes content? Oui, oui, merci, merci Oscar. J'éteins la lumière. Dormez les mômes. Oscar, lui, il va manger de la bonne soupe montagnarde. Oh, mon Oscar, un fin cuisinier. Patron, je vous ferai goûter d'autres spécialités de ma montagne. Tu crois? En attendant, bonne nuit, les petits. À demain. Ah, une bonne salade d'araignée tiède.